Côté pile, c'est une poubelle au bord de la route, rien de plus banal. Mais côté face, se dévoile un radar routier dernière génération. Voilà, donc ici un véhicule vient d'être flashé à 96 km/h. Il s'appelle NK7. C'est un radar fabriqué en Australie. Il peut contrôler jusqu'à 6 véhicules simultanément dans les deux sens et très discrètement. Comme c'est un ordinateur, on le relie à un réseau Wi-Fi, on peut travailler avec un ordinateur qui est déporté. C'est pour cela qu'on peut être à une certaine distance, qui peut aller jusqu'à 50 mètres, qui ne nous oblige pas à rester à côté donc, du radar pour pouvoir travailler. La poubelle est complètement autonome. Tout à fait, tout à fait. Maintenant, c'est certain qu'on va toujours avoir un œil dessus pour qu'on ne vienne pas nous la prendre. 50 radars de ce type sont en service en Belgique. La ville de Comines vient d'en acheter un pour 50 000 euros. Quand on place un véhicule, le véhicule à la force, il est connu. On change de véhicule, les véhicules sont connus. La poubelle, ce sera la même chose, mais on diversifie. Et surtout, on saura le placer à des endroits où habituellement, on ne savait pas.